Bonjour les muchachos, c'est Madvoran. Aujourd'hui, on se trouve pour quelque chose de différent. Une théorie sur FNAF World. Mais pas n'importe laquelle des théories. Une théorie sur Scott. Donc, on va commencer sur les trucs que j'ai remarqués au départ. Les ennemis que vous affrontez dans le jeu sont en fait des personnages de jeux vidéo à Scott. Tous les ennemis. Quelques-uns sont pas vraiment ou ont été un petit peu changés, mais c'est vraiment des personnages à Scott. Du coup, ça me dit que FNAF est en train de détruire l'existence des autres jeux de Scott. On les oublie tous. Ensuite, quand le boss no secret nommé Chipper, qui est un des personnages d'un des jeux à Scott, est battu, une scène bizarre arrive. Chipper dit ce dialogue. Ce n'est pas juste. Ce n'était jamais juste. C'était supposé être moi. C'était toujours être supposé être moi. Mon monde était luxuriant et rempli de beaux monstres et bizarres. Mais non, ce n'était pas assez pour toi. Tu as envie d'avoir peur? Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à moi? Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à nous? L'obscurité. Tu n'as pas vu la fin de moi. Freddy n'est pas le seul à passer ses dents sur tes os. Ce sera moi. Ce sera moi. Bon, déjà, en se disant que Freddy est basé sur Super, ça explique pourquoi il a l'air jaloux. Freddy lui a enlevé sa place. Chipper a oublié tout. A été oublié comme tous les autres jeux de Scott. Après, il y a une fin quand même bizarre que pour la voir, il faut noyer Freddy. Après, une image apparaît. Pour moi, c'est une image de Scott avec ses deux enfants. Beaucoup de joueurs se demandent si c'est une bonne ou une mauvaise fin, mais je pense que c'est une bonne fin pour Scott. Ça voudrait dire que Scott est content car Freddy est mort. Parce que comme j'ai dit, pour avoir cette fin, il faut noyer Freddy. Mais quelque chose dans cette scène est bizarre. Où est le troisième enfant de Scott? J'ai Scott. Oui, c'est Scotch. Non. Où est le troisième enfant de Scott? J'ai recherché et il y a bien trois enfants, pas deux. Mais tristement, je n'ai aucune réponse. Et finalement, cette fin. Le boss final est Scott lui-même. Donc, voici ce qu'il dit quand vous l'avez battu. Est-ce que c'était la fin que vous vouliez? Venir ici juste pour me tuer? Est-ce que j'étais le vilain dans ta tête? Je veux dire, ouais, ça donne l'histoire à une fin, mais sûrement il y a une meilleure fin. J'ai fait qu'est-ce qu'on me demande. Bien, bravo. Je n'ai pas apporté de fin à cette histoire, mais tu as. Donc, dis-toi bravo pour avoir fini l'histoire de ce jeu en tuant le créateur. Ok, donc on dirait que Scott est en train de se battre pour arrêter l'histoire qui a travaillé pendant 3 ans, je ne sais pas. Les joueurs lui demandent de continuer à créer des jeux quand il ne veut plus créer des jeux. Il dit, c'est ce que qu'on lui demande. Mais à la fin, il perd contre le joueur. À cause de ça, il accepte qu'il a perdu et qu'il devra continuer à créer des jeux FNAF. Même s'il ne veut pas continuer, il devra. Les fans ne lui laisseront pas quelque chose d'autre à faire. La fin que tu reçois quand Freddy se noie, c'est ce que Scott rêverait, sa bonne fin. Mais ça n'arrivera pas. Tout le monde le sait. Bon, c'était un petit peu dur en faisant cette vidéo, mais j'ai fait une théorie sur FNAF World avant Game Theorist. Prends ça, Matt Pat. Mais aussi, avez-vous vu ma nouvelle chaîne Craft Band? C'est une chaîne gaming avec mes bros, Panther Killer et Victor. C'est vraiment cool, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Du coup, abonnez-vous à Craft Band pour nous encourager. Non, c'était pas le band de musique, genre vraiment bizarre. Mais abonnez-vous quand même. Bye!